Nous avons décidé de faire cet événement pour mieux accompagner nos clients et les futurs prospects que nous pourrions avoir, PME ou grands comptes, pour les aider à croître sur l'international. Et en parallèle, pour la première fois, nous avons prévu un dispositif de speed networking grâce auquel des PME françaises qui cherchent à se développer sur l'international d'une façon directe, efficace et la moins coûteuse possible, ont la chance de pouvoir rencontrer des fonds d'investissement chinois d'un côté, américains de l'autre. L'intelligence économique, ce sont des données, on parle beaucoup de données actuellement, de valorisation de ces données, qui représentent des leviers de croissance pour les entreprises. Donc l'intelligence économique devrait rentrer dans les stratégies de nos entreprises. Il y a un problème culturel face au renseignement, mais comme on se rend compte maintenant, aussi bien au niveau des grandes que des petites entreprises, qu'il y a une capacité d'utilisation de toutes ces données disponibles qui font qu'on est plus performant, alors le système est en train de se transformer en cercle vertueux. D&B is very, very much focused on being relentlessly curious about those changes and how we need to think differently with our customers, to be inspired by data, to be thinking about the connected relationships. All of these things are part of our philosophy of thinking about the world as one connected space. This event is like a bridge between the Europe and China, and it's also like a platform on which Europe companies and Chinese companies we can meet each other and develop cooperations and complement two sides' advantages. So that's why we were here. Écoutez, tout ce qui touche au digital et au big data, bien évidemment, et à la croissance et au développement, qui étaient quand même quatre éléments qui apparaissaient dans le thème de la journée, ont attiré mon attention. Ça fait partie de la stratégie de notre groupe de nous développer à l'international, principalement en Europe. Et nous avons, sur les dernières années, fait passer la part française de nos activités d'une part largement majoritaire à nettement moins de 50%. Donc ça prouve que c'était déjà mis en œuvre et c'est toujours dans la stratégie. Altares nous accompagne principalement sur les données clients, aujourd'hui, peut-être demain sur les données fournisseurs. Nos clients et nos fournisseurs sont dans le monde entier. Et donc Altares couvre la globalité des informations. La Chambre de commerce française à New York, c'est un réseau de professionnels français et américains dans tous les domaines d'expertise et de secteurs d'activité de la présence française à New York. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on reçoit beaucoup de projets de France qui veulent préparer leur implantation ou s'implanter à New York. Et notre rôle, c'est de les connecter avec les ressources du réseau, tous ces professionnels pour les aider. Et j'ai pensé que à la conférence Altares, on pourrait rencontrer justement ces entreprises françaises qui souhaitent se développer aux USA et à New York.
Newfound est un fonds global, donc c'est tout à fait normal et naturel pour nous d'être à cet événement biglobal organisé par Altares. Nous avons aujourd'hui environ 15% de nos investissements qui sont réalisés aux États-Unis, avec 8 sociétés présentes sur un portefeuille total de 40 participations. We think the global economy continues to be very conflicted. The good news is we think the advanced economies, the economies of the OECD, will be growing slightly faster this year than they were last year. But the emerging markets are facing lots of challenges, especially in China. And it's those economies that are going to pull down growth slightly across the world. Ces entreprises qui étaient dans cet événement se sont toutes transformées d'une manière ou d'une autre. De transformation digitale, mais pas seulement. Il y a transformation environnementale, transformation sociale, solidaire. On voit que ces entreprises qui se sont transformées là, durant cette période de crise, sont bien armées pour pouvoir redémarrer très vite.